Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment digitaliser son entreprise. Donc, comment digitaliser son entreprise? Aujourd'hui, il devient important de pouvoir digitaliser toute son entreprise ou une partie de son entreprise. Que tu aies un business physique ou déjà en partie digitale, que ce soit vente de produits, vente de services, par exemple les restaurants, digitaliser une partie de ces services, que ce soit avec des entretiens, il y a moyen de digitaliser une partie de ces services. Tout ceci, on voit qu'il est important de pouvoir anticiper les choses. C'est pas facile de voir ce qui va se passer, mais c'est d'arriver à anticiper avec les données qu'on a accumulées, ces indicateurs propres à son business et de pouvoir très vite réagir aux changements qui s'opèrent. Comment? Ben, c'est pas évident de faire ça d'un coup, mais tu peux y arriver petit à petit avec des astuces et des outils qu'il y a sur le web aujourd'hui. Des outils faciles, faciles d'acquisition, faciles d'utilisation. Tout est à portée de main aujourd'hui. C'est aussi une façon de se démarquer de ses concurrents. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur les restaurants où je donne déjà des idées. Je te mets la vidéo ici. N'hésite pas à aller la voir pour d'autres conseils. Par contre, moi, je te dirais que tu peux le faire. Tu peux faire le changement en partie, par exemple, pour un restaurant. On va reprendre cet exemple-là. Proposer des services à distance avec ton business qui est normalement physique. Donc, tu pourrais quand même arriver à travailler et à pouvoir innover et changer ton business pour pouvoir adapter à des situations du Covid, par exemple. C'est peut-être des situations qui se reporteront plus tard d'une autre façon, on ne l'espère pas, mais on ne sait jamais. Donc, pour moi, je le répète, il est important de se digitaliser. Il ne faut pas attendre une aide du gouvernement, un changement du gouvernement, des aides financières et compter sur les aides financières. Si tu es entrepreneur, si tu adores ton métier, il faut trouver des solutions pour changer la donne et s'adapter à ce qui se passe et pouvoir garder en même temps un contact avec tes clients parce que quand, par exemple, les restaurants, quand ils vont réouvrir, ben, c'est sûr qu'ils vont revenir dans les restaurants, mais c'est bien d'avoir pu garder un contact, mais justement, essaie de garder le contact avec eux. Comme si tes clients étaient toujours venus chez toi, même en temps de Covid, pouvoir recréer un lien avec tes clients, tout le monde en a besoin aujourd'hui. Et du coup, écoute-les, ça va t'apporter énormément, que ce soit psychologique pour chacun, en fait, de garder le contact, d'échanger et ce sera du gagnant-gagnant. Ne prends pas tes clients pour des machines à cash, ce sont des humains et on a tous besoin les uns des autres. Donc moi je te dirais de passer à l'action, de te former ou de t'informer. C'est gratuit, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Si tu veux prendre des raccourcis, forme-toi directement avec les bonnes personnes. Du coup tu peux peut-être penser que c'est difficile à faire, à mettre en place, que c'est long à mettre en place, que c'est cher ou que c'est impossible, mais c'est vraiment totalement au contraire. Moi, je dirais qu'il y en a même des avantages. Augmenter considérablement ton chiffre d'affaires, même après le Covid, car ça peut rester en place. Après le Covid, ça peut être quelque chose qui peut s'ajouter bénéfiquement à ton chiffre d'affaires, à ton business. Ça peut être aussi une façon de voir que ça va t'apporter de la rapidité dans ton travail, une autre efficacité dans la façon de mettre les choses en place. Et de automatiser, de mettre des choses en place une seule fois, puis réutiliser des centaines, voire des milliers de fois. De toute façon, tu vas passer par là un jour ou l'autre parce que c'est l'évolution actuelle. En plus, c'est d'autant plus facile quand tu as les bons outils avec les bonnes informations. Ça peut s'appliquer également à tout autre type de domaine que les restaurateurs. C'était un exemple. Ça peut s'appliquer aux coiffeurs, par exemple, aux magasins de vélo, d'articles de sport, les chauffageuses même. J'ai même pensé aux ramoneurs qui pourraient vendre une sorte d'abonnement, mais en automatique, avec un système automatisé. Et ça ne s'applique pas qu'à eux. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers où une partie du business peut se digitaliser. D'ailleurs, n'oublie jamais, une partie de ton business peut se réinventer. Il faut pouvoir arriver à se réinventer à n'importe quel moment. Et en plus, il faut profiter d'une situation exceptionnelle pour pouvoir se réinventer. Des fois, c'est ce qui nous pousse à se réinventer et à changer notre manière de travailler. Donc, garde bien ça en tête. D'ailleurs, je te propose de t'aider avec un questionnaire gratuit que tu peux remplir. Et je te mets le lien ici en dessous de la description. Ce questionnaire va t'aider à cerner ta situation et cibler un petit peu ton business. Et en retour, je te donne trois conseils gratuits pour digitaliser ton entreprise sur les possibilités de pouvoir te digitaliser tout ou en partie par rapport à ton business.
personnalisé, j'y répondrai exclusivement moi-même avec mon expérience. Je te parle de tout ça parce que je passe une partie de mes business en digital, en partie, pour pouvoir modifier la façon de travailler, pour pouvoir être plus mobile aussi et pouvoir un peu plus voyager. Il faut vraiment arriver à s'adapter aux événements actuels. À une autre fois pour d'autres conseils. Voilà, si ça t'intéresse de recevoir mes conseils en privilège, je te propose de t'inscrire à la liste privilège entrepreneur. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Et on se revoit dans les emails où je te partage des tactiques et des outils performants pour pouvoir booster ton business et également baisser tes dépenses dans ton business. Aussi, tu peux trouver dans la description de la vidéo des offres que je te partage. Donc, on se voit dans les emails. À plus. Bye.